Bonjour les gars, bienvenue sur le dernier pack opening spécial Totier sur FIFA 21. Les gars, aujourd'hui c'est un pack opening assez exceptionnel. Beaucoup de packs ont été ouverts ces derniers jours et on t'a fait le résumé des meilleurs packs. Si tu kiffes la vidéo comme d'habitude, le pouce bleu, et on voudrait également vous remercier pour tout le soutien les gars sur la chaîne YouTube. Ça a été des records de vues de notre côté, donc merci à toi pour tout ton soutien. Et honnêtement, que des bonnes barres sur Twitch. On sera en live ce soir, twitch.tv les Twins FIFA. N'hésitez pas à venir follow si c'est toujours pas le cas. Et dis-nous dans les commentaires, c'est justement d'abord ton résumé de la Toti sur les derniers jours. Et deuxième petite question qu'on a à te poser avec l'un, parce que tu sais, généralement le mercredi, c'est l'épisode, on note vos équipes. Mais est-ce que spécialement demain, donc mercredi, est-ce que tu veux qu'on fasse justement notre vidéo, une vidéo spéciale, notre expérience pour la Toti, notre expérience de la Toti, comme si on dit les points positifs et les nombreux points négatifs, on fait une sorte de petit résumé. Dis-nous ça dans les commentaires si t'es chaud ou pas, ou sinon on reste comme d'habitude, l'épisode, on note vos équipes. Voilà les refs, il y en a dit à peu près tout ce qu'il fallait dire, maintenant, bon visionnage. Comment tu vas, man? Oh oui, c'est un pack de joueurs rares, c'est le premier animation, les gars, d'aujourd'hui. Français? C'est. DC? Attends, c'est vendable ou pas BG? Non, c'est pack de joueurs rares, c'est pas vendable, mon ref, c'est pas vendable. C'est... Les gars, pack de joueurs hors rares, c'est... Vraiment le truc... Waouh. Attends, on a la version UCL de Varane, je crois, en plus. Ouais, on a la version UCL de Varane. La chance des doublons invendables. Waouh. Bon, après, je pense à... Ouais, bon, non, énorme. En vrai, ça va bien t'aider, le Varane, pour le Boateng. Ou le Totti. Il est vrai. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Le Totti va tomber, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Les Rashford, les gars, je le garde comme remplaçant. Ah ouais? Ah, je vais le garder comme remplaçant, il est trop chaud. Donc les gars, pour la première équipe de Boateng, c'est l'équipe qu'on va soumettre. Il y a le Thiago Silva qu'on a acheté 15 000 crédits sur le marché, mais après sinon. Et le Lacazette. Sinon après tout le reste, c'est des joueurs invendables, doublons. Et donc c'est parti pour la première équipe de Boateng. Mais en fait... A partir de Fulbardé, c'est là où le jeu commence à être un peu mort. Parce que genre t'attends juste la tot. Genre c'est la dernière grosse promotion avant les tot. Allemand, Leno. Royce. Averse. Propre. 85. Averse, j'ai jamais tapé moi. C'est vrai que c'est cher. J'ai dû le taper une ou deux fois. Hein. Sur 250 packs moi. Oh excuse. Vous allez faire Singraven? Non, ça nous intéresse pas trop ce genre de carte là. Oh, pack de joueurs aura. Encore une fois, l'animation elle tombe dedans. Oh. Ah mais ça peut pas être Neymar. Non, non mais on prend, je prends, c'est énorme. Pack de joueurs hors rares les refs. Parce que tu sais que mec, si c'est un pack de joueurs hors rares, c'est un Totti, ça peut être n'importe qui. Bah oui, ça peut être un Ronaldo, ça peut être un Ramos, un Messi. Bon après derrière c'est Van Aken, mais les gars, c'est pack de joueurs hors rares. Quel plaisir. Il nous sauve 63 000 crédits, énorme. Est-ce que vous allez refaire un SBC code? Bah moi, mon ref, sur le compte anglais, il me reste juste une équipe à faire, c'est l'équipe 86 Totti. Oh. J'ai pas cru que ça allait être un Totti perso. Attends, Bobby c'est... Firmino, gros. En parlant de Havertz, Bobby Firmino, je vous jure les gars, qu'il y a des joueurs, j'ai fait plus de 250 packs et j'ai impeccable. Les Kanté, les Bobby Firmino, les Robertson, ils sont très très rares. Mais Robertson, du coup, c'est un Totti oui. Honorable. Waouh. Les gars, c'est quoi comme genre de pack ça? Attends, Havertz, on a mis des semaines à le paquer et au bout de deux packs, on le retape, c'est incroyable. Donc les gars, pour l'équipe 85 de Boateng, qui est la note maximale. D'ailleurs, on va mettre du Alisson de pack joueur hors rare, du Havertz en doublon, du Gabi Rezos, du Wilfried Zaha, du Bernat. Voilà, c'est la team full invendable qu'on a pu recycler en faisant des packs première ligue. Et donc là il nous reste seulement une équipe, et je crois que c'est une équipe à 84 seulement. Donc tout de suite, par rapport à peut-être d'autres streamers ou d'autres youtubeurs, bah on est différent. Oh, on est peut-être différent. C'est un boost, mon ref. Boost première ligue anglais, Madison. Nick Pope. Waouh. Dommage qu'on a déjà Totti Neuer. Oui. Quel dommage. Comment tu vas, Sad? Sad, est-ce que c'est toi, mon ref, qui a fait le clip sur Twitter là? Oh, back to back. Mais vas-y. Tu verras, on va retaper Pop. Bah arrête, mon ref, c'est pas possible ça. Le back to back en plus. C'est sûr, c'est la chance des doublons invendables, c'est incroyable. On a jamais tapé Pop. Et là, vraiment, en deux packs, back to back, tu le retapes. Wow. Bon, après ça, c'est un super pack, hein. 84-83, c'est super, mais c'est incroyable. Waouh.
Pas nickel, on envoie ça. C'est la dernière équipe du Jérôme Boateng SBC, les refs. Donc on leur a fait pour à peu près 250 000 crédits tout en ouvrant des packs et en tentant, voilà, de pourquoi pas taper un Totti. Mais le Jérôme Boateng, on a eu des avis plutôt corrects dans le chat Twitch. Quelques personnes le trouvaient exceptionnel, d'autres l'ont trouvé un peu moins fort. On va le tester et honnêtement, les refs, je pense que c'est une bonne carte. Et comme on a tapé Totti Neuer, le cousin germanique, en tant que premier détenteur, on se devait de faire ce SBC juste par rapport à une question de lien. Et maintenant, pourquoi pas, voilà, paquer le petit Alphonso Davies, comme ça, voilà, si on peut se faire la défense full Bayern, on va le faire tranquillou peinard. Tranquillou, et justement, bah, oh, ça fait bizarre de voir le Nick Pope derrière. Et il y a une petite dernière précision aussi, c'est que nous, l'année dernière, on utilisait le David Luiz flashback. C'est vrai. Le David Luiz flashback, l'année dernière, c'était vraiment le défenseur à avoir. Je pense que cette année, le Jérôme Boateng, du fait qu'on ait tapé justement le Neuer invendable, bah, dans l'équipe, le Boateng de une, il donne de la couleur. Et moi, tu sais ma relation que j'ai avec l'esthétique dans le fut. Et deuxième petite chose, bah, ça, c'est un défenseur central vraiment grand qui peut apporter dans les corners et tout. Donc, franchement, c'est une super carte à faire. Si tu peux la faire plutôt gratuitement, je te conseillerais de la faire très fortement. A few moments later. Et d'ailleurs, les gars, ça c'est ma team sur le compte anglais. J'ai terminé hors 1 hier d'ailleurs. Hier, je vais. Enfin, ce week-end, je vais terminer hors 3-1, mais je me suis dit autant terminer hors 1. Donc, j'ai terminé hors 1. Et là, on a 40 packs ouvrés, donc là, il nous reste 13 minutes avant le contenu à 19h. Et on va commencer à ouvrir quelques packs, les gars. Ça enregistre derrière ? Ah ouais, ça enregistre toujours. Oh ! Oh ! Ah, oh ! Le premier pack, les gars, ça aurait été exceptionnel. Aguero ? Oh, mais jamais, on n'a jamais tapé Aguero. Les gars, j'avais même carrément oublié qu'Aguero était en première ligue. Pour te dire. Bah attends, mais... Attends, sur les deux comptes, sur les centaines de packs qu'on avait, on n'a jamais eu Aguero. Aguero. Avant qu'on se fasse tuer dans les commentaires, Aguero. J'ai 45 ans, mon fils a 11 ans et on a chacun un compte. Ah, et c'est exceptionnel ça. Ça, c'est le top par contre. Et chacun une PS4. Ah ouais, donc ta PS4. Ah, c'est énorme. C'est t'as énorme. T'as bien raison. Et s'il casse une manette en rageant, c'est lui qui la paye avec son argent de poche. Faut rester fort. Les gars, franchement, pendant toute la semaine là, j'ai. Depuis qu'ils ont sorti ces packs là, cumulables, j'ai. Tous les jours, je me suis levé le matin, je me suis dit, ça y est, c'est le jour. Ça y est, aujourd'hui c'est le jour. Vraiment, c'était ma première pensée chaque matin là depuis une semaine. Oh. Théma. je me dis, j'ai l'expérience des années précédentes en mode. Il faut jamais rien lâcher, Totti. Tu vois, même t'ouvres un pack or, c'est ça, t'en fais. Mais là, je commence à réaliser que peut-être le rêve ne va jamais se réaliser. Peut-être que tu devras attendre l'année prochaine. Si t'es supporter de Marseille, est-ce que t'es pour ou contre le licenciement de Roman Abramovich et du président là? Comment j'ai oublié son nom? Ah, oh, mec. Héros. Abramovich? Attends, Vincent, t'as dit Abramovich? Quoi? Pourquoi? Quoi? Moi? Moi? Parce que. Mais oui, bien sûr, moi. Vincent est parti! Attends, pourquoi il y a Abramovich, les gars? Hein? Moi? On a dit Abramovich? Attends, c'est moi qui ai dit Abramovich! Sérieux? Ouais, moi j'ai vu flou, frère, attends. Quoi? Moi? attends, vraiment? Bon, les gars, sur le compte anglais, on va faire le pack icône moyen. Et ça, c'est l'équipe que je vais mettre pour la dernière solution. Après, c'est sur le compte anglais, voilà. Et Philippe Anderson, il n'est plus à Porto. Et c'était une carte, justement, que dès que je fais rentrer en jeu, il est vraiment pas bon. Donc, tant pis si on le met dans l'SBC, même tant mieux. Comme ça, il pourra pas prendre une place de plus sur le banc en tant que super sub. Donc voilà, le pack icône moyen, ce que j'attends, ce que j'ai besoin, un dev centre, un milieu de terrain ou un ailier. Tout simplement. S'il me donne un Garicha, je suis content. S'il me donne un Laurent Blanc, je suis content. S'il te plaît. Si tu comprends pas trop la réaction de Vincent, c'est normal. Parce qu'en fait, Zola, c'est une bonne icône. En soi, Zola, c'est une icône ultra correcte. Mais... Et là, mais la chance des doublons invendables, c'est que Vincent a déjà la version de Zola 85. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va?
Donc voilà, c'est pour ça la réaction de visage, pétrifié, énervé, bon. Martyrisé, brisé. En 2 millions, pas de Totti, pas de bonne icône, pas de meuf. Vous n'avez pas la prédiction les gars, le 10 prochain pack on anime. Oh! A few moments later. Pack 5 joueurs rares 85 plus. Viens voir papa. Oh! C'est un bleu, mais c'est un mauvais bleu. Qui peut se cacher derrière? Grande Navas. Ah, il pue ce pack. EA Sports nous a martyrisé. On était le paillasson d'EA Sports. Le pack 25 joueurs rares 83 plus. Est-ce que les responsabilités vont être prises? Non. Il n'y a même pas un Mendy, il n'y a même pas un Varane qui est jouable, wesh. Fettini, merci. Celle-là, elle est pour toi, Fettini. Celle-là, elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Malheureusement les gars, on finit cette vidéo très 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 émotionnellement atteint. Émotionnellement atteint ce soir, très très émotionnellement atteint. Si t'as kiffé cette vidéo, le pouce bleu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications. Tout se passe sur Twitch, tout se passe sur Twitch. Liam est extrêmement déçu, ah, je suis extrêmement déçu. Les ultras dans le chat Twitch sont extrêmement déçus. Mais bon, il faut retenir une chose, on tombe, on se relève, on continue. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Merci à toi d'avoir suivi le live, merci à toi d'avoir visionné la vidéo YouTube. N'hésite pas à t'abonner et on se capte ce soir pour un tout nouveau stream sur YouTube et demain pour une toute nouvelle vidéo. Le stream sur Twitch et vidéo sur YouTube, que du love les BG, prenez bien soin de vous et on se capte à ce soir. Au revoir.